Bon, actuellement, si nous avons déjà fabriqué, vous voyez par exemple là, on a fabriqué déjà quelques ruches avec mon petit là. Donc, il s'appelle Pitou, ce petit Pitou. Pitou parle là quand même, non? Moi, c'est Pitou. Nous sommes en train de fabriquer les ruches là. Maintenant, on installe. Il y a plusieurs avocatiers là. Ah, bien touristique. Ici, par exemple, il y a suffisamment d'avocatiers. Observez, nous avons fabriqué déjà sur les ruches fonches. Donc nous avons déjà monté quelques ruches fonches là. Et j'espère que vous voyez bien. Et tout à l'heure là, ce qu'on va faire maintenant, c'est de fabriquer les ruches. Tu vois, il y a les abeilles. Voilà, il y a les abeilles. Et voilà déjà, voilà les abeilles. Ah. Et je vous... Donc lui aussi, il a placé des ruches fonches. Ici là, par exemple, je vous ai dit, voilà donc les ruches. Hein. Voilà les ruches qu'on a placées. Et nous, on doit faire les efforts. Ce sont les ruches. Oui, ça, ce sont les ruches fonches. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va fabriquer les ruches d'Adam et les ruches kenyanes. Il y a une ruche kenyane et une ruche. Actuellement, nous reste la fabrication d'une ruche fonche, d'une ruche kenyane et aussi de 10 ruches d'Adam. Donc, d'habitude, dans ce champ, il y a souvent suffisamment de canne à sucre. Et on est en train d'observer que la canne à sucre est en train de disparaître ici. Donc, ce pan. En fait, ça, c'est un champ qui appartient à ma famille, donc à la famille du côté maternel. C'est une princesse, donc ma mère est une princesse. Et elle, donc, leur famille, donc ses frères, on a donné des terrains à ses frères. Et c'est ce terrain, ça, c'est l'un des terrains de ses frères, de ses petits frères. Et son petit frère lui a vendu cet espace. Et nous, on cultivait cet espace avant qu'il ne soit venu. Donc voilà par exemple, ici c'est comme mon petit l'a dit, comme le petit Pitou l'a dit tout à l'heure, c'est Savichi. Donc nous sommes toujours dans l'arrondissement de Bafoussam deuxième. Donc bon, on va continuer. Bon, c'est vrai, il y a une personne que j'aurais voulu que vous rencontriez, c'est-à-dire, on a fait une discussion pendant qu'on venait dans ce champ avec un monsieur, dont la femme est résidue chrétienne. Oui, ils sont dans les poulets. Et il faudra que je vous raconte tout ce qu'on a dit. Ce n'est pas le Congo ça, ce n'est pas le Mapap, non. Il faudra que je vous raconte parce que lui, il a eu à subir quelque chose de terrible. Il avait 6 enfants avec... c'est un gars Bouddha, c'est un monsieur Bouddha. Et il avait 6 enfants avec sa femme. Et sa femme, un matin, s'est levée, elle est partie avec ses enfants. Et vous voyez, par exemple, 6 enfants. Et actuellement, si lui se bat de son côté, il a lancé 800 pondeuses. Bon, sa femme a suffisamment les moyens parce que la famille de sa femme, tous sont à la rousse. Bon, et on a eu à discuter beaucoup. On a eu à beaucoup discuter. On va continuer ça bien après. Ciao. Donc, actuellement, là, il est 8h. Et nous sommes en train de quitter le champ. Donc, on va terminer le travail là demain. Pour le moment, on a déjà... Voilà là où on a gardé les ruches. On espère simplement que... Les grands visiteurs ne viendront pas nous rendre visite dans la nuit. Oui, donc je suis encore là. Donc, vous voyez, il est à 18h. Observez le paysage. Suivez le calme qu'il y a ici. Franchement, il y a un très grand calme. Donc, voilà par exemple. Et nous avons placé le jeter. Pour le moment, nous n'avons pas terminé. Il faut fermer, il faut chercher les couvercles. On est en train de fabriquer les couvercles pour ça. De monter les couvercles des ruches. Donc voilà par exemple, nous sommes là, il y a par exemple les motos taximantes qui passent ici avec des chargements bizarres. C'est-à-dire, je devrais vous montrer ça. Peut-être demain, je pourrais vous montrer cette photo bien cette vidéo-là. Merci. Il vient d'être 6h et actuellement, nous allons nous diriger au champ. Ouais, il fait encore sombre. Il fait suffisamment sombre. Voilà les voitures qui sont déjà en train d'arriver au champ. Voilà, observez un peu cette colline. Vous voyez, il n'est pas encore, il est 6h05. Vous voyez par exemple que actuellement si, regardez la colline sur laquelle les gens cultivent. Franchement, des pentes de près de 60 degrés. Et franchement, moi je me dis, c'est pas aussi évident que ça. Et ces personnes qui travaillent comme ça, je me demande si elles essayent de calculer le rendement qu'elles ont ici dans ces champs-là, parce que vous voyez, ce sont des personnes qui travaillent énormément, mais que à la fin, les prix
ils vendent aux revendeurs, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à tirer suffisamment en profit de leurs travaux. Bon, actuellement ici, je ne veux pas vous cacher, c'est pas aussi évident que ça de s'en sortir parce que ce sont les intermédiaires qui profitent énormément du travail des personnes qui, des agriculteurs au niveau d'ici. Les prix des marchandises sont sérieusement moins chers. Donc à bas prix. J'en revends à bas prix. Vous voyez par exemple dans le champ, on a mis un peu de manioc, un peu de partout. Parce que c'est le manioc qui permet aujourd'hui de faire en sorte qu'on s'en sorte. Les trucs comme le maïs l'année dernière, la production n'a pas été très très bonne. Ce qui a fait que beaucoup de personnes actuellement si, beaucoup de gens font, actuellement le maïs est devenu un peu cher. Donc le kilo de maïs tourne autour de 300 francs, 250, 300 francs au niveau de Bafoussam. Donc, et bon, les principaux acheteurs de maïs, ce sont les personnes qui font dans l'élevage des poules pondeuses, poulets de chair. Ce qui fait qu'eux, ils ne se dérangent pas. Même si le prix du maïs monte n'importe comment, ils savent qu'ils vont équilibrer au niveau de la vente des poulets ou de la vente des œufs. Les œufs, au niveau de Bafoussam, j'ai demandé un œuf. Dans certaines boutiques, à côté d'une ferme, on voulait me vendre un œuf à 125 francs au niveau de Bafoussam. Imaginez, si c'est déjà à 125 francs au niveau de Bafoussam, à combien est-ce qu'on va revendre le même œuf au niveau de Yaoundé? Donc, actuellement, je suis en train de me diriger au champ. Je suis en train de me diriger. Les enfants sont restés derrière. Ceux qui sont venus avec moi sont restés derrière. Mais actuellement, je me dirige parce qu'il faut que peut-être d'ici 12 heures qu'on soit de retour, arrive au champ. Donc, vous voyez, par exemple, c'est là-bas, cet endroit-là qu'on a gardé hier. Le matériel avec lequel on doit travailler. Nous sommes déjà dans le champ. Voici le champ ici. Et après, jusqu'au sommet de la colline. Donc, et ça part jusqu'au premier, jusqu'à l'avocatier qui est là-bas. Donc, l'espace est suffisamment. En fait, on vient de voir des singes sur ces manguiers-ci. Je vais m'approcher pour voir s'ils sont encore là ou s'ils sont partis. Il y avait des babrons. Donc, voici par exemple, vous voyez par exemple les ruches. Nous sommes déjà actuellement sur les finitions. On a placé les barrettes sur certaines ruches. Vous savez, par exemple, ici, c'est une ruche. Oui, c'est une ruche d'Adam. Avec combien de barrettes? Essayons de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 barrettes. Ici, c'est encore une ruche d'Adam. Le nombre de barrettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 barrettes. Ici, c'est une ruche d'Adam toujours. Mais ici, c'est à 12 barrettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 barrettes. Ici, en fait, ici c'est 12 barrettes. Ce sont des ruches à 12 barrettes. Et vas-y, continue. Je vais montrer comment tu fais, comment tu prends le cadre et comment tu vas clouer. Donc, les cadres, ce sont les cadres qu'on va poser au-dessus des ruches franches et des ruches. Ce sont les poulets des ruches. Bon. Mm-hmm. Ils ne sont pas encore cloués. Mmh. On s'en va comme ça les voilà, allons-y. Uh-huh. Donc tout avait déjà été taillé. De sorte que maintenant, ce pitou, il va faire les finitions. Okay. Voilà, donc les contreplaqués ont déjà été coupés aux dimensions okay. Du cadre. Voilà, vous observez. Comme ça là lorsqu'il pleut même l'eau mm-hmm. ne touche pas exactement donc c'est pour couper contre les intempéries pour la chaleur et les après, pluies après on va placer les mm-hmm. donc après, on va placer les bâches dessus voilà normalement très souvent pour que ça soit plus durable ce sont bien de placer les tôles mais pour le moment les tôles font beaucoup de bruit on a l'impression que parfois ça perturbe les abeilles et là c'est notre couvercle. Oui, essaye d'aller mettre sur ça, essaye de choisir une ruche. Ça que tu vas mettre. Voilà, vous voyez par exemple.
voilà comment elle va rester. Donc, de sorte que pour le moment, cette ruche n'est pas encore totalement terminée. Parce que, au niveau d'ici, pour le point d'atterrissage, c'est ici, non? Voici le point d'atterrissage ici, vous voyez par exemple, au niveau d'ici, là où il y a mon doigt. Donc, on va arranger encore pour que les abeilles puissent atterrir. Pour le moment, on est en train de faire les finitions sur les toits. Sur le toit. Et il nous faut au total 32 toits. Donc, c'est presque. Le travail est presque terminé. Donc, il nous reste à fabriquer. Il est déjà fabriqué pour le moment. On est déjà à 5 toits. Donc, il reste encore les 4. Et on doit encore fabriquer au moins 10 cadres. 10 cadres pour les toits. Bon, on continue le travail. Voilà, bah, actuellement, nous sommes à presque l'avant-dernière étape. Nous sommes en train d'agrafer. On agrafe comme ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est pour empêcher la pluie d'entrer à l'intérieur de la ruche. Et aussi pour lutter contre. Normalement, on devrait placer la tôle. Normalement, il est préférable de placer la tôle, mais pour le moment, la tôle est chère. Donc, on pourrait d'abord faire ça en matériel provisoire pour après mettre une fois que ça commence à payer, mettre la tôle. Pour le moment, on a mis du G-Flex. C'est du G-Flex comme ça. Donc, actuellement, on est en train d'agrafer. Vous voyez, par exemple, là, il agrafe. Il faut tendre, c'est bien de tendre. Travaille pas sur l'autre face, ça peut percer. Travaille ça à côté. C'est bon, continue. Tu tends, voilà, c'est bon. Pardon. Voilà, c'est bon. C'est bon maintenant. C'est prêt.